À peine 400, ouais. Hein. Attendez, à mieux, hein. Après, je suis pas full moteur. Je suis pas full moteur. Mais bon, j'ai l'impression qu'il, ouais, il... C'est bizarre, il a la même vitesse que The Maul, mais j'ai l'impression qu'il bourre plus. Après, c'est peut-être parce qu'il, ouais, a un meilleur effet d'accélération, ouais. Sur les moteurs qu'on a, ouais, ils sont ouf. Ils sont ouf. Bonjour. Je peux vous aider? Ouais, bonjour. Bon, attendez, ouais, excusez-moi. C'est un plaisir de vous voir. Vous voudriez... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Déjà ça. Non, on va se calmer. Adhésif. Triple A, je rappelle. Et est-ce que vous avez des attels? Mais oui, Et j'en profite pour vendre toute cette merde. Voilà. Ah, j'ai encore tout ça à vendre, c'est vrai. Et bah, bonne chance, hein. J'ai 128 tenues, what the fuck. Oui, oui, Tom Holland, oui. Bien sûr. Attends, t'as un truc à me dire? Je pensais vraiment que c'était... Arrivederci. Ouais, ouais. Bonjour, madame Marquez, ça faisait longtemps. Vous allez bien, madame? Je vous présente Jessa, voilà, je suis devenu pirate depuis le live numéro 12. Vous voulez déposer une plainte? Allez voir la sécurité de l'UC, pas l'avant-garde. En fait, je suis avec l'avant-garde, super ultra capitaine, non? Capitaine Marquez, je vais vous parler, oui. Moi? J'ai raté un briefing ou un truc? Je me rends... Ah, bon, on va arriver sur les ruines intérieures, du coup, on y arrive. Il y a un homme rechargé dans le secteur, je vais le trouver. On a du mal à vous renseigner. S'il y avait un criminel recherché dans nos cieux, il serait déjà pris. À moins que... Vous parlez du Warlock? Une rumeur parle d'un vaisseau qui s'y trouve depuis des années. Il ne répond à aucun message et n'accoste jamais. Nombreux sont ceux qui ont été trouvés. Au moins deux d'entre eux ne sont jamais revenus. Le champ de débris des Terrea recèle de nombreux dangers si vous n'avez pas l'habitude. Mais si vous pensez que c'est pas le champ de débris qui les a eus, je peux vous donner les coordonnées du dernier endroit où le Warlock a été vu. Pardon, mais je dois y aller. Qu'est-ce qui rend cette zone si dangereuse? La tanière originelle a été détruite il y a des décennies. Ah, mais oui, rappelez-vous, c'est vrai, ces stations abandonnées. Ah. Une grande partie des restes de ces combats se sont agglutinés autour des Terrea et ont formé un dangereux champ de débris. D'accord, je comprends mieux. Des têtes brûlées tentent régulièrement leur chance et reviennent en boitant parce qu'ils sont tombés sur une mine vieille de 80 ans. Ou ne reviennent pas du tout. Mais finalement, ce n'est peut-être pas à cause du champ de débris. D'accord. Je veux bien les coordonnées, oui. Pas de soucis. Voilà, ça devrait vous mettre dans la bonne direction. Bonne chasse, et faites attention. Merci. Bon, les armes, attends, même des vaisseaux dommages des systèmes. Oui, oui, les moteurs, oui, vous en faites pas. Et là, le mec, il a un vaisseau tout pourri. En fait, ouais. Il faut que j'ai le réflexe de désactiver mes armes. Quand il y a presque plus le bouclier, vous voyez. Attention, en trou. Oui. Allons-y. Ce serait bien aussi un truc pour retexturer les armures là, ce serait cool là qu'ils fassent ça. Bon. Les modes peut-être. Hein. Pas de mode, pas tout de suite. Alors attendez. D'accord. C'est sur mon clic droit, super, c'est pas sur le. Ok. Je veux que ça soit sur mon bouton G. Mais c'est ça, y'a plus mon astéroïde. L'astéroïde a disparu. RIP l'astéroïde. Salut mon pote. Oh là là. Le Warlock niveau 28. Cible en vue. Vaisseau rancé. Beaucoup de balistique. Est-ce que je peux lui parler? Non. Ah, il est derrière l'astéroïde, ce bâtard? Ouais. Non. Vide infini, qui m'apportes-tu?
Petit papillon. Oh merde, c'est quoi? Oui, étoile. Non, bâtard. Reviens. Mais bon, ça c'est limite. Ah non, t'es quoiqué là, t'es quoiqué là. Oh oui. Tu peux pas t'échapper à la grande dévladette. Avec The Savage. Ah par contre, j'ai pas d'armes pour le paralyser. Oula. Que puis-je faire pour vous, capitaine? J'ai tout perdu à cause de Lucie. Oh oh oh. Ah non, il s'est suicidé. Mais qu'est-ce que... Vous faites quoi, monsieur? Il s'est suicidé, ce bâtard. Ah l'enculé. Oh, il a triché. Mais non. Ah. Oh. Oh, il est... C'est quoi ça? Il s'est suicidé, l'enculé. Il a pas voulu. Oh. Bien. Oui, le mec, il a bonne tête de pirate, hein. Bonne tête de petit filou, hein. Ordinateur personnel, oui. Où est ta soute? Putain, il a mangé sa capsule de saignure, quoi. Oh. Oh oh oh. Livraison est faite, objet était exactement comme demandé, j'avais jamais dit que c'était possible, tu as fait super boulot. Est-ce que tu as livré un truc qui s'appelle un tutorimorph? Non, je sais pas. Quelque chose que j'ai fait ne mérite pas un procès, juste une cage pour le reste de tes jours, aucune chance pour un homme de vie quand ils viendront tuer ou moins de peur, tu ne feras pas en cage. Allez, viens avec moi, je t'emmène. Longue vie au cadavre. J'ai un peu bourré, excusez-moi. Pardon. Attends une seconde. Oh. Oh non, mais tu es sérieux, quoi? Mumba. Pitié. Pitié, c'est trop dur. Excusez-moi là, j'ai un coup de barre là, c'est... Ah, oh, ça devient dur pour moi là. Ça devient dur pour le petit DV, hein. Attendez. Donc ça c'est bon. Oui bah c'est bon, attends. Ah non, il m'en manque 4. J'arrive pas. Mon cerveau est dead. Petit cerveau est dead. J'y arrive pas. J'y arrive. Non. Ah, ça c'est pas mal. Non. Putain. David qui va dormir pendant la ligne rouge. C'est Mathis qui va la faire à ma place et il va me transporter sur le dos. Est-ce que je me suis fait baiser ou pas là? J'en irai le cul. Parce que ça c'est la fin, donc je vais finir avec ça. Mais j'y arrive pas. Attends. Ça passe ça? Non. Quelque comme ça. Je vais péter une pile. Non, pourtant, apparemment, c'est bon. Faut que je fasse ça. Ah bon? J'ai triché, j'ai utilisé le locker, désolé. Là, ça devait être dur pour moi, là.
T'as tout ça pour une coiffe de merde, bah super. Bah qu'est-ce que tu... Oh. Oh là, c'est quoi? Oh, on a failli partir sans ça. Oh, j'ai relou. Une combinaison de merde. Oh putain. Au niveau maître. Bon, tout ça pour tomber sur des crédits. Oh la baisse, j'aurais jamais dû. J'aurais jamais dû. J'aurais jamais dû. Poil au cul. Non. Oui. Pitié. Non, c'est bon, je l'ai. C'est bon. J'ai entendu une voix. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà, des crédits, je vous ai dit. Et une boisson de merde. Bah super. Non. Non. Bah, ma chance de Kobo. La mort. La mort. Oh, ça sent... J'ai envie de tricher. Oh là là, j'ai envie de tricher. J'ai envie de tricher. Ouh, bah attends. Ah, ça c'est bien ça. Non, non, non. Oui, d'accord. Je vais trop vite. On va dire que c'est bon. Hein. Quoi? Ah non, merde. Non, mais c'est bon. Nom 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 nom. Et de l'argent. Et on peut y aller. On se casse. Et quand même, t'as pas un petit vaisseau de merde. Y'en avait du loot là-dedans. Hein. Le petit coffre-fort. Et la soute. Tu qu'expert, ça va Vasco? Ça va, j'ai ça? Ça va bien? Ah non, mais attends, faut aller où? Et du coup, le vaisseau, maintenant, je peux le péter. Voilà. Le vaisseau, je peux le péter. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait son cadavre dedans. Oh, merci pour l'XP. Ah bah en plus, il drop, c'est incroyable. Et de vaisseau, hein. On prend. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, bah oui. Par contre, l'autre pour la justice, rip. Hein. Attendez, avant de se TP là. La guerre. J'aimerais bien level up là. Pour qu'on débloque la chimie en là. La chimie. La chimie. Ah mais j'ai droppé sa tenue, c'est ça? J'ai l'impression. Voilà. L'eau? Non.
Ah, il me fait passer par là, d'accord. Ouais, franchement, ouais. Depuis la loge, c'est pas plus rapide. Nous avons scanné lorsque vous entrerez en ville. Vous en faites pas, je suis quelqu'un de legit. C'est chiant, hein. Est-ce qu'il y a vraiment un moyen de l'emmener à la justice en fait? Je pense pas, hein. Je pouvais pas parler avec lui de toute façon. Même depuis le vaisseau. Je pense que c'était en scénarium. Je pense que c'était foutu. Il est mort pour ses péchés. Vous voilà, capitaine. Quelles sont les nouvelles concernant le docteur Orlaz? Flash info, il est mort. Ah, j'ai tenté de le rapatrier, mais il s'est suicidé, ouais. Ce n'est pas étonnant, cet homme a toujours fui les conséquences de ses actes. Vous ne vous attendez pas à ce que je vous croie sur parole, n'est-ce pas? Non mais mec. Et si j'ai dit que tout a brûlé dans l'explosion? Ah oui, mais j'avoue, tu peux faire la connerie en mode bah oui, tu pètes tout le vaisseau en mode fuck the police. J'ai trouvé ça, sa plaque. Le premier, j'ai pas envie de dire ça honnêtement. J'ai trouvé ça, sa plaque. Parfait. Merci de le déposer dans le système de transfert. Ah oui. Ah oui. Transfert accepté. Oh, regarde, Master Shkobo, regarde. Regardez-moi ça. Après toutes ces années, certains ne sont toujours pas capables d'oublier l'ancien monde. Faut s'asseoir, pardon. Respect. Alors là, on est bien, là. Beau travail, capitaine. Capitaine. Je peux m'assurer que les autres membres de l'équipe rejoignent le siège des Diables Ardents. Sauf un. Celui-là, vous devrez aller le chercher. Il s'appelle Kaiser. Kaiser! Vous le trouverez sur la planète Nira de la Confédération. Kaiser! A erré sur le champ de bataille. C'était le nom de mon pote tank sans sauteur. Kaiser! Armes pendant la guerre. Alors armez-vous en conséquence. Et vous devriez passer voir Adrian et le docteur Walker avant de lui rendre visite. Vous aurez sans doute besoin de leur aide pour forcer les protocoles de sécurité de Kaiser. C'est des protocoles de sécurité, mais ce. Ah, ce Kaiser est un robot, ah oui, j'avoue. Un modèle A militaire. Ah, je pensais que c'était un... D'accord. Spécialement configuré pour les besoins du programme Xenoguerre pendant la guerre coloniale. C'est une ressource puissante, si vous parvenez à le récupérer. Des Vladettes, c'est bon, elle a pirate plein de trucs, hein. Pourquoi nous aidez-vous? J'ai dédié toute ma vie à l'Union coloniale. Tous mes efforts visent à sa protection. Je leur ai même donné mes héritiers. Même si ma situation a changé, mon objectif reste le même. AIUC. J'espère que ça en vaut la peine, oui. Vous sauvez la galaxie, capitaine. Sa protection requiert tous les outils possibles. Om nom. Terminé des démons connus. Om nom. Nouveau succès. Faites vos rapports à Adrienne. Putain, j'aime bien level up là, Il reste combien là? Putain, c'est pas pour tout de suite. Ah ouais, on avait baisé. Il manque, ouais, 700 d'XP quoi. Bon, 700 d'XP, c'est quoi? C'est cette mission de pirate. Et encore. Ah, franchement, peut-être. Non, ouais, non. Peut-être des missions de pirate, ça donnera pas assez. Aïe. Station est. Oui. T'as le level up, moi, ma sœur Shkobo, le level up, là, oh. Bah déjà, on peut faire la ligne rouge. Ça, j'oublie pas, évidemment.
Sinon Xenofresh. Non, pas Xenofresh. J'aime bien faire un petit tour à Ryujin là. Pour l'appartement, putain là. Je veux l'appartement. Ah mais Adrienne, elle est sur Mars, c'est ça, non? Elle est sur Mars, la petite Adrienne. Adrienne. Ouais, bon, tu vas attendre un peu. Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on fait quelques missions de Krix pour pexer et qu'on débloque la chimie suivante? Est-ce que ça vous dit? En mode speedrun, là. Tac, 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 tac. C'est genre avec deux Péatrix, je bute le vaisseau, ça fait encore plus d'XP. Je pense qu'on va faire ça, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux débloquer la chimie suivante. Ah oui, la ligne rouge, c'est vrai. La ligne... Ok, attends, la ligne rouge, faut attendre un peu, là, faut attendre un peu, la ligne rouge. Peut attendre un peu. Putain, ouais, j'ai des trucs à faire sans néon. On va se rebalader chez Ryujin, là, on va voir si... N'énervez personne, capitaine. La moitié des voyous de néon n'attendent qu'une occasion pour nous sauter dessus. Ouais, bah je les attends, hein. Y a pas de soucis, hein, t'inquiète, hein. TKT, hein. Vous avez déjà entendu la blague de l'orphelin et dans... Attends, c'est... Qu'est-ce qu'il y a là? Bureau de la direction, peut-être? Peut-être opération, attends. Imogène. Elle veut pas m'aider, Imogène? Imogène, je veux un appartement. Qui peut m'aider? Madame! Comment ça va? Je meurs littéralement d'envie de ça. Enfin, pas... J'adore en discuter, c'est que c'est grande occasion, je suis avec vous. De quoi vous parlez, toi? De quoi je parle? Yuko vous a peut-être mentionné que votre boss ne nous a pas rendu visite depuis un bail. Ça et le fait qu'elle a été vue pour la dernière fois chez Franck. Oui, oui, ah oui, d'accord. Non, mais oula, oui. Le clan Seoka. Oui, non, non, mais silence. Essayez de ne pas trop harceler mes techniciens. Oh. Ils ont du travail. Bonjour, madame. Vous avez pas une mission qui vous attend quelque part? Ah mais Yuko, mais oui, c'est l'autre rapace là. C'est vrai. Faut que je réussisse mon coup. J'ai pas envie d'avoir Yuko sur le dos. Ouais. Alors attendez. Excusez-moi, ça sert à rien ce que je fais, bon. Peut-être on aura une petite surprise, qui sait. J'avais dit que Tomo était instable. Regardez ce qui s'est passé. Pas le temps pour l'instant. Ouais. On va parler de votre histoire avec Tomo. Il aura appris de la pire des façons. Ouais. Imogène! Avec ce petit test de café, oh bah oui, on est bien. Ah non, pas du tout. Cette journée, si je dois encore lire un rapport. Qu'est-ce que ça fait de revenir après tout ce que vous avez traversé? Un vrai soulagement. Je préfère 100 fois mon travail de bureau. Heureusement, j'avais beaucoup de relations et je pouvais abuser d'un certain nombre de faveurs. On verra si ça va me retomber dessus plus tard. Et si j'ai pas envie de faire de mission, là, vos missions sont un peu pourries, hein, désolé vous dire ça, mais... Si vous ne voulez pas gagner de crédit, c'est votre problème. Je t'inquiète pas. Mais je peux comprendre que ça puisse paraître banal après ce que vous avez fait. Tchè. Quand on fait pour un appartement? À votre place, j'éviterai de me chercher des ennuis. Tu te calmes. Ou la roue me manquera pas. Je vois encore son dédaigneux. Bonjour. J'ai entendu ce qui s'était passé à l'avant-poste. Je connaissais la plupart de ses habitants. C'est dur de ne pas se sentir responsable. Reste hors de mon chemin et je resterai en dehors. On va aller à bureau d'action, Taïo opération, non, ça j'y suis. Tant qu'il était drone, on s'en fout. Taïo, bah non. La PDG de Ryujin n'est pas du genre à plaisanter. Les concierges viennent de tout nettoyer. J'ai besoin d'aide pour trouver quelque chose, s'il vous plaît. Vous avez besoin de quelque chose? L'étage de la direction regroupe tous les membres du conseil. Non, mais j'en fous de ça. Oui, bah, fermez-la. Merci de votre visite à la tour Ryujin. Tu sers à rien. Bonne journée. Ouais. Bah, tu sers à rien, mec. Sinon, je vais voir la prison directe, hein. Madame! Et du coup, vu que son bureau... Merde, y'a elle.
Ah, c'est un brèche. Ouais, sérieux? Les secrets d'Oularu. Poste de travail. Oh là 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 là. Bon, je pense que c'est trop tard d'y accéder. Bon, juste pour voir, juste pour voir. Juste pour voir ce qu'il y avait dedans. Et là, en fait, c'est la PDG qui est derrière tout ça. On s'est fait avoir. On s'est fait brin. Putain, il est horrible ce verrou. Ce verrou est une chiantise. Ok. Non, je dis YOLO. Est-ce que j'ai bon ou pas? J'ai bon. Si l'emplacement auto, c'est que je suis sur la bonne voie. Et c'est gagné. Non mais espèce de con. Message. Inconnu livraison. Genre ma position en colis du plus grand importance que nous appartient au serveur, je peux venir le récupérer. S. Ou c'est peut-être... Bah, mais j'ai plus les noms là, c'est peut-être des autres cons là. De protéine de son rapport, on dirait qu'il a échoué dans ce propos de la personne de son, ce qu'il appelle une expérience manque imogène, lui a tenu tête barrée. Comme ça trouve une faute, imaginez-moi en commandant sur les jeunes seulement. Je te laisse le son de lui annoncer, je sais que t'aimes ça, what the fuck. Bon game, tablette audio, Neurotech, arme marque, aucun retard pour voir si je suis en train de carmen. Au dernier dîner, je crois qu'il est toujours de la rancœur à l'égard de madame Imada et comme vous savez, il y avait un... Oui, bon, ouais. Attends, c'est quoi annonce là? Bon, c'est de la merde ça. Ah oui, c'est ça, Infinity LTD, c'est ça le... Ah, mais attends, il y a des trucs là. Congé payé, on s'en fout. Et maintenant c'est terminé, les opérations de construction peuvent reprendre. Sécurité, ouais. Ça c'est peut-être quand j'ai infiltré. Aujourd'hui, nous avons nos adieux à notre ami, collègue Oularu Chen. Oularu quitte Ryujin Industries après 10 ans de dur labeur de fidélité. Nous souhaitons le plus grand succès dans ses futurs projets. Et MDR Masako Imada, Imada supervisera les opérations pendant que nous cherchons un nouveau candidat pour diriger ce département vital. Ok. Pour annoncer officiellement racheter Infinity. Ouais, mais ça, c'est de la bite, ça. On s'est fait niquer pour ça. Oh, je vous arrête. Bougez plus. Comment ça? Non. Ah, mais connasse. Mais quoi? Mais comment ça? Ah, mais putain, ouais, putain, c'est le verrou qui était en conseil comme du vol, mais c'était pas indiqué. Vous en faites pas, je vais venir sans faire d'histoire. Ah non. Bah nique hein. Même après une fouille complète, j'ai trouvé aucun article de contrebande. Mais connasse, ça va me virer tous les objets volés. Non. Après je peux les reprendre. Ah non mais t'es... Attends, elle les a volés ou pas? Ah non, je les ai gardés. Oh mais vous êtes chiant. C'est pas moi qui vous l'ai dit. Fermez la... Putain mais... Mais quelle baise. J'aurais dû partir en mode bip bip t'es. Bip bip. Oh là 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 là, mais quelle baise! Je vais pas le dire deux fois, fichez-moi la paix. On s'est fait baiser! Oh, oh cette prank! Bon, la prochaine fois, je me ferai pas voir. Vous faites partie de l'avant-garde, n'est-ce pas? Et moi, j'ai un appartement Ryujin. Comment on fait, madame? Madame! Bonjour, bienvenue à la tour. Passez une bonne journée. Madame! C'est quoi ce drone? Drone chargé de améliorer votre vie de tous les jours avec notre gamme de robots ménagers. Ah! D'accord. Non mais on va aller voir la présidente si...
S'il y a un truc, sinon bah salut hein. C'est quand même ça cet appartement là, il sert bien à quelque chose. Sinon bah tant pis hein. À moins que... Ah attendez, peut-être j'ai une autre idée. Oh, si c'est ça franchement, mais quelle enculade. C'est pas la meuf là qui vit l'hôtel à côté là? J'ai peut-être des appartements de Jun aussi, je sais pas. Peut-être hein. Madame, bonjour. Je n'aime pas les bavardages. Zer. Si vous voulez pas poker, madame, bonjour. Plutôt voir Thomas. Excusez-moi. J'ai beaucoup d'affaires à régler. Eh bah super. On s'amuse bien. Combo de merde, la bibi-boop. Boomba, Master Shkobo, je veux une explication. Je veux une explication. Tout de suite et maintenant. C'est quoi ça? Oui, ça c'est l'autre con. Ah oui, mais attendez, vous vendez... Votre inventaire est plein, bien sûr. Vous vendez des trucs utiles, vous? Oh. D'accord, ok. Figure, ouais. Écoutez. Faites attention à vous. Merci. Absolument tout ce que vous cherchez. Ça, c'est l'autre. Non, mais c'est tellement pas à côté, en fait. Oh, quel buzz. Bah non, bah je sais pas, ouais. C'est vrai qu'il y a un truc sur les clones, on l'a pas vu. Ouais, non, ça c'est qui était néon. Ça s'appelle déjà. Ah, c'est ça, c'est le volet hôtel, maintenant c'est de la bite. Il est toujours là l'autre ou pas? Ce serait chouette d'explorer néon ensemble. Entre chez vous, loin de chez vous. Bonjour. C'est pour... Bienvenue à l'hôtel volé. J'ai besoin d'une chambre, ouais. Oui. Une seule nuit ou plusieurs? Ah oui d'accord, oui non. Bah, c'est un bon séjour à Néon. Au revoir. C'est nul. Très bien. Très bien, très bien. Bon, ce que je propose, c'est qu'on va essayer de passer ce niveau là. On va essayer de le passer. Je pense en quelques missions là, ça va le faire. On pex notre chimie, puis après on s'arrête là, voilà. Déjà la fin de la VOD qui va être pourrie, voilà, merci à tous. Désolé YouTube. Ah oui, la ligne rouge aussi, il faut qu'on finisse sur la ligne rouge, évidemment. Évidemment. Ah, la ligne rouge de ses morts. Et la ligne rouge, Mumba. C'est pas parce que ton pseudo est rouge que... Attention Mumba, attention. Attention! Attention, Mumba! Attention! Ah, tu aimes tes petites lignes rouges, Mumba? Tu aimes ta ligne rouge, hein? Quand je me pète une jambe au bout de 2 mètres là? Besoin de quelque chose? Oh non! Dis-moi qu'il y a ce qu'il faut! Yes! Nom, nom, nom! Cheyenne, ouais. Attention, c'est Cheyenne et Sol, c'est noté. On va y aller pour un. On va péter le vaisseau d'entrée de jeu. Oh non. Non, c'est bon. Ok. Et ça, c'est drôle, c'est que si. Les Astriens là, les Astriens, venez là, venez. On s'amuse. S'il vous plaît. T'as eu niveau 4, ce con. On les... C'est vrai qu'on peut se balader et trouver des gens aussi, ça marche aussi. Xénon, Joseph. Bonjour. Il est où? Il est où? Feu. C'est quoi ces conneries? Bonjour. Ouais, 15 XP, bah super. On n'est pas couché, hein. Non mais en vrai je me balade et je tombe sur des gens hein. On peut faire ça sinon.
Ouais, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça? Montage du détecteur, ouais. Non, mais c'est bon. C'est franchement ce vaisseau de merde quoi qu'on a eu. Non mais on va se balader un peu à l'extérieur là, on va bien trouver des gens à tuer là, merde. Et là on va retomber sur Genghis Khan. Bonjour. Mais niveau 4 c'est quoi ça là? Oh mais c'est quoi ça? Mumba Massage Kobo. Attends, il me faut combien d'XP là? Il m'en faut 500. Il faut 500 d'XP. Aïe, 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 t'as les études de piraterie, ça rapporte plus quoi. Où est-ce qu'on va aller là? Voilà, genre un truc niveau 65 là. Ouais, Serpentis peut-être. Serpentis, il y a de l'embrouille là, non? Y'a pas de l'embrouille sur Serpentis un peu là? Oh! Vaisseau de Moira! Bah, au revoir, vaisseau de Moira. Ah merde, du coup, il y avait un témoin? RIP! Oui, bon, écoutez. Écoutez. C'est la base militaire oubliée, je crois savoir sur qui on va tomber. Ah non, j'ai pas de prime! Incroyable! Ouais! Faut attendre un peu. Les Astriens, ils mettent du temps à venir, vous voyez. Ah, il y a mon astéroïde. Varun. L'astéroïde est revenu, ma soeur Chocobo. Oh les bâtards, où est-ce qu'ils me mettent? Voilà, là on discute. Oh, niveau 44, quoi. Ouais, bâtard, ce qu'il me met! Non! Yes! Let's go! Pourquoi je veux pas aborder? Oh putain, parce que j'étais trop loin! Oh putain, le bâtard! Il est là le sauveur, mais il a fait me tuer sur tout ce con là! Point couillon d'astéroïde. Bon, j'aborde parce que là, je pense, là, un niveau comme ça, là, il y a moins de se faire de l'XP là. J'ai peut-être level up là-dedans même. Putain, les pièces de vaisseau là, j'ai. Non, j'ai mangé là. Hein. Oh oui, tout ce monde. Oh oui, tout ce monde à tuer. Je vais prendre un bonus d'XP. Je crois que j'ai ça qui traîne. Je le ménage, non pas ça. Non, j'ai pas de truc. Ah non, j'ai. Oh, Rocket Love. Bon, je vois gaspiller, bon, ça, bon, tant pis. Bonjour! La guerre! Oh, 70 d'XP, alors là, on va se faire de la thune et d'XP. oh oui mon bamasseur Chocobo. La chimiste a besoin de kill. Longue vie au roi. Longue vie au diable. Nom.
L'âme damnée s'échapper, tu vas voir c'est qui l'âme damnée, l'âme of Fokker. C'est vrai, n'empêche, je pense que le fait de se balader comme ça aléatoirement. Je pense qu'en termes d'XP c'est pas mal hein. Oh vas-y. Ah merde, pardon. Ah mon flingue, ouais, il commence à être pas mal là. Oula oula. Wa. Mais non. Grenade. Putain j'ai fait le con là. Ce bordel. Ouais c'est bon. Ouais. Le long merde de... Il est où? Mais quoi, mais elle est contre moi? Mais j'ai ça, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai ça? C'est tout ce que t'as. Traître. Merde. Et ta gueule? J'aurais besoin de tête. Mais qu'est-ce qu'elle avait, j'ai ça? Le grand serpent t'a rendu folle? C'est bon, tu te sens mieux, connasse? Merci. Long cuit au serpent. C'était une Varonne depuis le début, je le savais. Elle m'a bullshité depuis le début. Elle s'est fait manipuler ou quoi? Nom. T'as la thune et tout, là on se fait plaisir. Oh, j'ai ça quoi, traître. Attendez, c'est pas fini là. C'est pas fini. Où sont-ils? T'es mort! Mais quoi? Mais qu'est-ce que t'as? Mais t'es conne ou quoi? Elle va me tuer? Mais j'ai ça! Tu arrêtes? C'est vraiment la fin. Reste à terre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a là? Mais... Bon... Qu'est-ce que... Long... vie... Serpent... les deux derniers là, où ils sont où là? Mumba... Mumba... Oh merde. Merde putain. Très mal visé. C'est bon. Plus de témoins. Tous morts. Non merde j'ai pris une merde, fallait pas. Ok. Et du coup le point, il va aller en vol évidemment, non. En chimie. Après on fait la ligne rouge et voilà. Enfin d'abord on va aller à Two City. Bon elle s'est calmée l'autre conne là. On reste en poli hein. Bon tu t'es calmé? Ça va capitaine? A plus tard capitaine. Tu veux qu'on en parle, j'ai ça. De ce plan cul que t'as voulu me faire là? Attendez, on a pas fini, en plus on a pas buté le vaisseau là. Oh là là, l'XP. Oh, ça, un niveau comme ça là. Là par contre, ça, j'ai pris si cher dans ce fight. Wow. J'ai pris si cher. Là par contre, là, on s'est fait de la thune. Hein. Oh, 35 000. J'ai envie de regarder le... Oh non, paf paf, ouais, c'est de la merde. Regardez ce que le Maxchir peut proposer. De rigolo.
En 15% des dégâts infligés par les robots, meilleure armure, tout ça. Et bah je vais prendre ça. Je prends... Ah mais il est dégueulasse. Ouais bah écoutez hein, YOLO hein. Oh. Longue vie au grand serpent. Motherfucker. Oh cette coiffe. Voilà, là on est bien là. Là on est bien. J'ai pris un haricot. J'ai toujours sa plaque à l'autre là. Okay. Très bien. Très bien, très bien. C'est le moment, ripostez. Et j'ai ça, mais qu'est-ce qu'elle a, j'ai ça là. Ah merde, putain, oh là là, oh l'armement. On va aller petit à petit, hein. Mon armement a pris si cher. Piou 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 piou. Par contre l'XP là ça va être Gucci là je pense. 345 d'XP. Oh non non non. Mais en plus il me drop quelque chose. Oh non non. Putain le cadavre du vaisseau quoi. 3 pièces de vaisseau. Oh non non. Pourquoi ma... Oula, ma verre de bouclier... Vous avez vu ma verre de bouclier? Oulala. C'est en train de se... C'est vrai que ça serait pas mal qu'on mette... un de ces quatre ça là, ingénierie aérospatiale hein. Ouais ouais ouais. Parce que je trouve que c'est tellement lent à réparer. Il m'a combien de pièces de vaisseau là? J'en ai plus là je crois, c'est fini hein. On est mort hein. 79, c'est pas assez. Lol. Lol 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 lol. Alors, la chimie. La chimie et le sac. Le sac, on va l'améliorer. Non, mais qu'est-ce que je fais? Pardon. My bad. Il y a trop de trucs à faire, les gens. La Mouma Master Chocobo, mais. Vous êtes vraiment sûr, Mouma Master Chocobla? Master Chocobla? Master Chocobo, vous êtes vraiment sûr là? Vous êtes vraiment sûr de ce let's play qui va faire 300 lives là? Je parie qu'on repartira pas au complet d'ici. Alors, au moins avec moi, voilà, quand je joue à un jeu, je suis pas un connard, hein, je fais pas 3 épisodes, salut. Hein. Hashtag Autopass Traveler 1. Lol lol lol, oh. Bibi boubi baboup. Bibi boubabou baboup. Pardon. Et après Cyberpunk, putain, c'est vrai, Boomba. C'est qu'il y a le DLC. Après Cyberpunk, je pense c'est plus rapide à finir que ce Starfield, mais il y a trop de trucs, mec. Si Cyberpunk, au moins t'as pas que ça sans planète. C'est vrai qu'il y a le DLC Cyberpunk hein. Oh. Mais je sais pas quand est-ce que... Je pense malheureusement le DLC Cyberpunk va souffrir du souci du DLC de CrossCode, vous voyez hein. Avant qu'on y joue. Parce que là Mumba, là c'est Starfield, pour cette fin d'année c'est Starfield et Iron Fury qu'on va finir hein. Faut qu'on finisse à 100% hein, je veux. Après FF7 Rebirth, je sais plus quand ça arrive mais c'est début de l'année prochaine. Et à pitié quoi, puis encore Starfield. Pitié quoi. Puis l'année prochaine, c'est pas, il y a le nouveau Star Wars aussi, je pense. Bon, on y jouera son nouveau Star Wars. Pas de tricolo. Enfin bref. Hein. oui, on s'amuse bien ici. On s'amuse bien. Neurojack. Le rat. C'est quoi ces conneries là? Alors. Toutes les recherches sont terminées. Ah oui, ça met sur le côté. Ouais, d'accord. C'est triste de voir ça. Amélioration de performance. Non, 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 non. Non, 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 non.
Ah, c'est pour crafter. Oh, les trousses de secours, ça c'est bien ça. Ça, j'avoue, les trousses de secours, c'est moins de les crafter. Ça peut être pas mal. Y'a un remake d'un jeu Star Wars, mais pas de nouveau Star Wars à ma connaissance. Si, si, le truc Ubisoft, c'est ça là, c'est Star Wars Outlast, je crois. Outlaw là. Outlaw plutôt. Celui-là, je pense qu'il m'intéresse un peu, oui, oui. Moi, je dis pourquoi pas. Après, les jeux Ubisoft, hein, je. Voilà, Ubisoft, c'est pas trop mon délire. Mais bon, écoutez, hein. Moi, je m'en fous de l'éditeur. Alors, voyons voir. Givrelot, c'est quoi ça? Le voile blanc de la bourrasque instable, raffiné, dangereusement addictif et associé à des pulsions agressives incontrôlées. Qu'est-ce que c'est que ça? Dégâts augmentés 25% pendant 2 minutes, vitesse de déplacement augmentée. Mais comment ça? Mais c'est quoi la différence? Ah, mais c'est le bourrasque du pauvre, c'est ça en fait? Ok. Alors qu'est-ce qu'on a débloqué? L'attelle curative. Oh, c'est bien ça. D'accord. On a débloqué l'aurore, non. Avec des NFT. Bah. De sauce ce que tu dis. Injecteur d'antibiotiques, ouais. Le neurojack. Ah, on peut crafter des neurojack, MDR. Mais c'est con, il faut des synapses alpha et je peux pas en crafter. C'est un peu con quand même. Mais c'est ça, c'est avec tous mes synapses alpha, je peux les convertir en neurojack. Mais après, est-ce que ça va me servir? Non. En plus, voilà, neurologie, ça, je sais pas comment ça se craft, mais bon. Ok, ok. Et le voile blanc, ouais. Bon, bah, rien de fameux. Le givre lourd, c'est peut-être le rang 4, hein, qui sait. Enfin, le rang 3. Je suis un peu déçu, je vous cache pas. Mais bon, écoutez, hein. Faut bien qu'on avance. Alors. Y'a pas un truc pour. C'est dommage. C'est dommage qu'on peut pas via le jetpack. Ah, bah, non, de toute façon, t'es obligé d'avoir un jetpack, je pense. Ah non, pourtant, pas de jetpack, bah non, tu peux le virer. Ouh, ça c'est pas mal ça. A plus 10% de capacité d'oxygène, bah oui, toujours, hein. Moi c'est ce que je prenais. C'est vrai, si je mets ça, ça serait pas mal hein, comme sac à dos, hein, comme terme de résistance, honnêtement. Est-ce qu'on met ça ou pas? Après les résistances. Non, je m'en fous. Hein. YOLO. Et là, la régénération, évidemment. Ah, du coup, c'est plus lourd, ouais. Mon sac est plus lourd de deux par rapport à l'autre. Bon, bah, écoutez. Hein. Les sacrifices, hein. Ah, sinon, il y a ça aussi, hein. Sinon, je mets ça. Charge maximale de 10. C'est plus léger. De 0,80. Voilà. Voilà. Ok. Ça va, j'ai ça? Qu'est-ce que tu fais? Pardon, excuse-moi. Non, mais ça, j'ai pas débloqué ça, c'est vrai. C'est vrai, je n'ai pas débloqué ça, c'est les projets spéciaux. Très bien. J'ai plus un sur moi. Très bien. Et bah, écoutez, on va finir sur la ligne rouge. Hein. La ligne rouge des dieux. J'ai un jeu volo sur moi ou pas? J'en ai 6 même. Oh là là, on a fait du slip. On va commencer à en claquer un peu là, je pense. Hein. Non. Bah attendez. Excusez-moi. Je vais en faire d'autres quêtes. Non, j'ai conne. Hein. Je vais juste déposer ma merde là, juste à aborder. N'en faites pas, ça va prendre. C'est un petit détour de 45 secondes top chrono. Vous en faites pas. Là où la Saram. Où Saram. Les vaisseaux derrière. Voilà. Ça c'est fait. Ah, Steam, félicitations, vous avez reçu une récompense. Ouais. Quelqu'un a récompensé mes posts Steam, mes mods. Moi je suppose.
Alors. Faut vraiment qu'on soit attentif sur les armures. Si on voit une armure qui donne des boosts particuliers, genre plus d'oxygène ou plus de vitesse, mais ça plus de vitesse je crois que ça n'existe pas. Alors on les met de côté hein, pour la ligne rouge. C'est ça, faut que je fasse gaffe, attends. Excusez-moi. Ah merde, attendez. Oh là, ah merde, j'ai envie de remettre ça. Tant pis. Attendez, qu'est-ce que j'ai dans ma soute? Est-ce que j'ai des trucs rigolos ou pas? Les ressources pèsent 25% en moins, lol. Bon, là, j'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. Merci à tous. J'espère que ça vous aura plu. Genre pour sourire. Que la fortune. On me paie pour et je serai des vermines qui veulent foutre. Très bien. Ensuite, j'espère. Et oui, skip, 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 skip. On m'a dit que vous faisiez partie de la planète juillet. Merde, pardon. Votre attention, cher client et invité de marque. Mais j'ai ça, mais... J'ai une annonce de la plus haute importance. Mais... Empli de courage, cette personne a accepté de se confronter à la mortelle mais... ligne rouge. Nul ne sait si c'est... Ah, je vais avoir une photo. Ah non. Nouvelle victoire aujourd'hui. Réfléchissez bien avant de vous placer là. Merde. Le moment que vous attendez. Ah, notre photo est désactivée. Oh. J'ai tellement une bonne photo à prendre. J'ai ça qui respire dans la nuque de May là. En mode de nous les 28 victoires, tu sais, j'en ai ras le cul cette quête, j'en ai ras le cul. J'en ai marre de l'autre folle là. Let's go. Ça craque en... Oh. Jean ? Bouge pas mec. Pourquoi j'ai l'oxygène qui gale autant là, non c'est... Ah non non c'est une perte de temps ce que je fais. Ah oui c'est ça de pas avoir le 10% d'oxygène là, on en a moins ce stade là. Oh merde. Oh non, oh non, je vais me faire toucher. Non, c'est bon, putain. Le 50% avec le jeu volo, c'est quand même ouf, hein. La différence. Je trace comme une fusée. Ah, on... ah oui, non, mais je sais pourquoi, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. J'ai envie de boire. Non, mais allez, allez, connasse. Mais monte. Et aussi je sais pour... Mais c'est vrai je sais pourquoi je me pète tout le temps les jambes là. Parce que l'empire augmente la hauteur de saut. Avec la gravité de ces morts ici. Bah oui. T'as roussé limite. Ok ok go 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 go. Non ça me touche pas là. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît le jeu là. Oh merde. Oh merde. Oh non. Cours, 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 cours. Vas-y j'ai ça, vas-y, vas-y, fume-les, fume-les. Oh au moins j'ai ça, tu vois, c'est pas une connasse elle. Contrairement à Matisse. Oh non. Ah Liro. Non mais regardez avec le givre lourd, regardez ça, la run parfaite quasiment. Oh là 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 là. Ah non, givre lourd j'ai plus effet, dommage.
Je vais grignoter un peu sur la sortie. Non mais c'est incroyable le givre loup hein. Après c'est pas fait pour ça hein, ce givre loup ça augmente les dégâts et tout, c'est un truc monstrueux. Mais pour la ligne rouge MDR. Là c'était pas trop mal, je me suis rien cassé. C'était pas trop mal, ça va. Bonjour. Félicitations, vous avez un... Voici le mot. C'est la 10e victoire. Oh oui. C'est à ma botte que vous allez faire la connaissance. Ta gueule. Mais j'ai 5000. Et ils m'ont donné une brèche. Oh. Ah oui, non mais c'est le fusil à pompe. Je pensais que c'était un snipé. 26 000 hein, c'est de la tunasse. Et puis voilà. Non mais ok ce chez. Mais non mais reste là. Voilà la ligne rouge au prochain live. Reste là. Voilà. Tac. Eh ben écoutez. Recule, si tu veux pas que je t'apprenne la vie. Vas-y, vas-y, do it. Do it. Say it. Say it, motherfucker. Je tape pas la discute avec les clients. Et 2-10. Oh Donovan, j'arrive Donovan. J'arrive. Excusez-moi. Oh ferme-la toi. Ferme-la stagiaire. Et ben sur ce. Vous voulez encore participer à la ligne rouge ? Oui au prochain live. Mais au prochain live. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Ah, j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir participé à ce live. Je vous souhaite. Fermez-la. Une bonne soirée, bonne nuit, bon geekage, tout ce que vous voulez. Moi je vais mettre mon nez sur le code jusqu'à 6h du matin. Oh oui, délicieux, oh oui. Oh oui, Mumba, oh oui, oh oui. Et bah je vous dis à la prochaine, bah demain, bah cet après-midi pour Iron Fury. On finira la campagne Jungle of Death. Oh oui. Oh oui, on va finir, crois-moi, on va finir. Crois-moi, on va finir. On va finir.